découvert les chars d'assaut. Quelqu'un avait laissé les clés dessous pendant une exposition militaire, alors nous l'avons chippé et puis nous avons conquis la plus grande partie de l'Europe jusqu'à ce qu'il tombe en panne sèche. Du coup, nous l'avons démonté puis ramené à Tropico. Maintenant, il suffit juste de savoir comment on le remonte. Et voilà l'histoire de la science. Et bienvenue sur mon île, mon paradis, les amis, sur Tropico 5, où j'essaie de mettre de côté suffisamment d'argent en Suisse pour racheter l'île et faire venir le grand Zenstein ou Zimperstein, enfin, en tout cas une parodie d'Einstein, afin d'avoir la bombe atomique. Hein, je crois que c'est le but de l'opération. Et merci de me suivre, ça fait extrêmement plaisir. Les élections vont bientôt avoir lieu. Au niveau de la satisfaction générale, j'ai quand même un gros problème. Au niveau du divertissement. Voilà. Donc je propose qu'on s'y attelle après avoir fait une Assyrie. Bordel. Putain, j'ai pas assez pour l'Assyrie. Oh. C'est qui lui ? Nous avons une chance d'influencer les résultats des non, prochaines élections. On peut vaincre sans tricher. Moi je dis. Oh, on a les sous ! Assyrie ! Ok, on va mettre ça pas loin du port. Clic. Et même il nous en faudrait deux. J'imagine qu'on a suffisamment de charbon et de fer en stock pour en faire une quantité astronomique. Charbon 9000. Fer, oui. C'est une bonne idée ce que je dis. Nous savons les résultats des élections. Il veut être l'épreuve. Super, on a gagné les élections. Le mec est blasé, il a tellement l'habitude. C'est président à vie. Je suis tellement habitué. Alors, toujours au niveau satisfaction. Divertissement pourri. Et la santé. La santé, j'ai juste mis ici. Ah, de toute façon, tant qu'on n'aura pas d'hôpital. Et ici. Bon. Je suis furieux! Je n'arrive pas à croire ce qui vient d'arriver! Le destin nous a joué un tour. Nos rivaux de Puerto Coco et d'Isla Loro ont gagné à la loterie. La combinaison gagnante était la plus absurde qu'on peut imaginer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est la seule que je n'avais pas jouée. L'univers a décidé de se moquer de moi. Arg. Mais on a quand même touché une partie du jackpot. 5000. Il me les donne ou il me les donne là? J'ai pas fait attention. Alors, cela dit, c'est bien joli. J'ai vu qu'on pouvait améliorer, juste avant qu'il m'interrompe, les services d'hospitalisation. C'est ce qu'on va faire. Découvert, c'est pas grave. Et aussi ici. Parce qu'il n'y a pas de raison. Même si on n'a pas les sous. Recherche, c'est... Les bonnes manières, délégation Alliance, et la prochaine, ça sera Calsèche. Calsèche me permettra d'avoir l'intégralité de l'île qui sera révélée. Ça m'évitera d'envoyer des gens en perpète les alouettes. Voilà. Hop. Il est temps de briser les nerfs d'acier des Suisses. Écoutez-moi bien. Ok, exporter 12 000 unités d'acier, je suis d'accord. Il faut à tout prix faire ça. C'est le but. Je ne vis que pour ça. Hop, amélioration, fonderie. 30% de pollution en plus, on s'en fout, la pollution. Pff, la pollution, c'est pas rentable. L'écologie. Enfin, quoi que ça le devient. Hop. Résultat de notre dernière étude. Les diplomates étrangers sont en moyenne 45% plus souvent en accord avec les nôtres si ces derniers pètent moins ou sentent moins fort. Une étude de groupe a démontré que 33% des diplomates étrangers n'aiment pas que leurs confrères rotent à table. Enfin, ils sont 95% à considérer que danser nu sur les tables en chantant l'hymne tropicien est un comportement indécent. Qui l'eût cru ? Eh ben oui, qui ? Alors... Top, 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 top.
J'arrête pas de jongler avec le mute pour éviter les bruits désagréables du mec grippé. Cela dit, ça peut faire des gros fails et avoir une partie d'épisode non commentée. Je vous prie m'excuser si ça arrive. Voilà. Vous savez quoi? Je vais donner un petit peu de style à cet endroit. Avec une belle parcellisation. Qu'en pensez-vous? Hop. Hop. Oh. T'es un rebelle, toi. Ah non. C'est un fail. Je suis allé trop loin. Si on veut des routes droites, il faut les faire droites. Hein, alors, c'est bon. Je viens de découvrir qu'on peut zoomer avant d'avoir posé. Oh, t'es fou. Bon, c'est pas grave. Hop là. Nice. Superbe. 66% des gens qui m'aiment, et ça c'est plutôt positif. Niveau santé, ils sont assez contents. Variété alimentaire, c'est toujours pas ça. Exporter de l'acier, c'est quand tu veux que tu l'exportes ton acier. Ça bosse là-dedans? On va mettre un directeur, tu vas voir. Efficacité. Pollution réduite de 10, oui, ça compense. Ok. Et paye les biens, s'il te plaît. Hop, j'en ferai bien une deuxième. Clac. J'ai envie de me lancer dans de la bouffe, peut-être de la conserverie. Allons voir les filtres. Ferme, banane, non. Cacao, non. Café, moyen. Maïs, ça va, mais ça rapporte rien. Pâturage, fuck, fuck, fuck. Ananas, bof. Sucre, bof. Tabac, pas mal. Ananas, c'était combien? Ananas, c'est plus par là. Ça vous dit, on fait de l'ananas? Et on se fait de la conserverie? On y va. On y va, ananas. Clac. 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 Oh, parce qu'on fait pas les choses à moitié avec Fanta. Cool. Je m'endette. Mais c'est pas grave. C'est des investissements bien faits qu'on dit. Hop, la boussole en 6 mois. Et généraux ensuite. Et sécurité. Oh, c'est gentil de s'occuper des gens. Mais bon, je fais pas les trucs gentils. Pas tout de suite. Faut que ce soit mesquin. Assurance maladie. Les tropicains devront payer les soins. Campagne diffamation. Élection anticipée. Aide agricole. Oh. Toutes les plantations. Il était temps que je mette ça, dis donc. J'ai autre chose dans le genre. Point de recherche, oui. Oui. Prohibition, non, il s'en fout. Dis donc, les ananas, ça ne s'exporte pas, mais ça s'importe bien. Le sucre, ça s'exporte. Le fer, on va le garder pour nous. L'or. Bientôt, on saura si on a de l'or sur l'île. L'acier. J'ai déjà un bateau en partance. Et au cas où, je vais rajouter le deuxième pour pas perdre le client. Et je retiens le navire. Clac. Boîte de conserve. Ça aussi, bonne idée. C'est ce que je veux faire avec l'ananas. Et je retire le bateau, juste au cas où.
Ouais, alors ça c'est une astuce, faut prendre le contrat, du coup il reste dans les routes actives, ça évite de faire votre industrie et puis de vous retrouver avec le contrat qui disparaît, quoi. Hop là. Edit, ça rend bien. C'est pas des cages à lapins, c'est complètement cosy. J'adorerais habiter ici. J'espère que je vais pas me taper une extinction de voix. Oh mon Dieu. Heureusement que j'avais fait le truc rapide. 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 Découvert, découvert, découvert. Oh, vous savez quoi? Présidente, après de longues recherches, nous avons enfin découvert la boussole. Elle était dans votre bureau, entre les plans pour la domination mondiale et une bouteille de rhum. Il est confié à nos capitaines pour qu'ils ne soient plus obligés de naviguer à bout et puissent utiliser des plus gros bateaux. Ok, bah cool. Alors voyons voir un peu ce que propose Tropico. De l'or! De l'or! Des montagnes d'or. De l'or! Oh mon Dieu. Alors, par ici. Ruines anciennes, c'est pour les touristes. Uranium, donc j'imagine c'est pour la bombe atomique. Uranium. Et par ici. Une jolie plage. Ok. Que dirions-nous si on exploitait l'or? Oh, vous avez vu comment ça envoie des sous sur le compte en Suisse? C'est bien ça. Comment on peut continuer à faire ça? Directeur. Ok, bon, j'augmente l'efficacité des autres bâtiments. Ok, par contre, c'est pas la peine de qu'ils bossent aussi dur, les mecs. Oh, mais j'ai des quêtes de partout! Camarade Presidente, nos rêves de révolution sont en danger. D'après les communistes, la qualité de notre révolution laisse à désirer. Alors, tous les autres pays érigent des monuments à la gloire de leur idéologie et de leur économie. Tiens, d'ailleurs, dans les autres tropicaux, il y avait le musée du président, qu'on n'a pas ici, afin d'inspirer le peuple sur plusieurs générations. Ce qui me plairait et plaira aux communistes, c'est qu'on construise un bureau des chantiers. C'est qu'ainsi que Tropico deviendra. Ok, de toute façon, j'ai déjà fait. Encore un autre? Non. Selon mes informations, les Américains sont sur le point d'imposer la prohibition. Donc, ils veulent qu'on fasse une distillerie de rhum. Pour l'instant, je ne valide pas. Je veux juste regarder si on peut faire du sucre. Et quel est le meilleur endroit pour le faire? Pour moi, c'est juste derrière les ananas. Derrière les ananas. Là aussi, c'est sympa. C'est bien ça. Par contre, sèche le tourisme. Cloc. Allez. Hop. Hop. Et il faudra vraiment, vraiment que du sucre. Donc le rhum, ça se fait avec du sucre, hein. Canne à sucre, si vous savez pas. Plantation, sucre. On a des super îles qui sont super grandes, on aurait tort de se priver de faire des trucs énormes. On est là pour de l'ambition. On n'est pas là chez mémé. Pourquoi il y a ça là? Je me le fais mon boulot. Oh, c'est beau ça. Vous savez quoi? Non, c'est ici qu'il faut que je mette les bâtiments. Cage à lapin. Tout ça pour les sous, pour la Suisse. Cloc. Cage à lapin. Cloc. Hop. Et vous savez quoi? Un petit pub. Pour que les travailleurs. Ah bah non, ça sera quoi? Ce sera une clinique? Ou une église?
Ah, oh, dis donc, on peut pas. C'est un rebelle, le mec. Allez, une église juste à côté d'un champ de canne. Ça me fera penser à La Réunion, à l'île Maurice. À Bambou, si vous connaissez Bambou à l'île Maurice. Il y a une église pas loin des champs de canne. Et une clinique, on a dit. On va leur mettre tout ce qu'ils ont besoin ici. Clinique. Une épicerie aussi, ce serait sympa. J'en ai jamais une ou pas? Parce que les pauvres, là, ils doivent avoir faim. Bon, je suis quand même vachement ambitieux. Hein. J'envoie la purée. Hop, ça construit à Tropico. Presidente, nous avons découvert un nouveau moyen de réduire les pertes au combat. Il suffit de mettre les soldats les plus incompétents à la tête des armées et de leur faire porter des uniformes kitsch. Ils se sentiront tellement importants qu'ils cesseront de se mettre en travers du chemin. Eh ben écoute, d'accord. Compétence directeur pour bâtiment militaire. Bien. Hop, généraux, c'est fait. Sécurité sociale, socialisme, banque, banque. Voilà, allez, on met tout. On est des fous. Clac. Au niveau industrie, du rhum, ça va être possible, mais j'ai pas les sous. Donc je prends. J'accepte. Un opéra raté et ma soirée tout entière est fichue. Ah, j'ai trop de tâches mais en cours. J'ai eu une idée. Base militaire. Le commandement allié est la proie d'un allié. On va la faire, cette base. Hop, ça va être... C'est une base ou une caverne? Le commandement allié est la proie d'un... Présidente, c'est oh la mon Dieu de ma carrière de non présentateur météo. Il est promis à tout le monde un jour. Oh là 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 là. Je répare. Hein. Avant même. Hop. Ok, ça va qu'elle se barre sur le côté. Yes, oui, de nouveau au top. Bâtiment détruit. Il peut maintenant prédire avec précision. Ok, on a fait un bénéf au final dessus. La clinique est là. Ah, ah bah putain, on peut pas. Base militaire, on a dit. Base militaire. Donc ça, c'est pour les tanks. Base militaire. Vous savez que ces forts là, ils servent à rien. Ouais, si quand même. Hop. Faire une petite route pour pas que ça soit perdu. Voilà. Hop. De la bauxite, putain, on n'avait pas fait ça depuis la dernière fois. La dernière fois, pardon. Oh mon Dieu, ma voix. Elle va me lâcher avant la fin de la série. Clac. Mine. Ah, ça a dû gueuler en commentaire. Épicerie. Le sucre. Et ici, des ananas. Donc au niveau de la fabrication de l'industrie, cigare non, fabrique textile non, maison de mode, conserverie. Il faut une centrale électrique les amis. Ça on a ce qu'il faut pour ça. Centrale électrique qu'on va mettre. Ni trop près, ni trop loin, quoi. Voilà. Ça avance doucement. Au niveau des exportations, l'acier s'exporte toujours bien. Les boîtes de conserve, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Quand vous voulez, hein, on exporte du café. Hop, 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 hop. Ah, le tissu, ça rapporte aussi, hein. Pop et les cigares. Ça, c'est sur mon autre île. Un opéra raté et ma soirée tout entière est fichue.
Faut plus que j'aille là-dedans tant que j'ai pas fait ce qu'il faut ici. Vous avez vu au niveau du compte, hein, on est déjà bien. Compte en Suisse, c'est plutôt pas mal. Ah, donc c'est pas maintenant l'arme atomique, c'est d'abord la Suisse. On fait venir Einstein. 100 points de recherche. Tiens, d'ailleurs, point de recherche. J'ai une université, moi. Projet de recherche. Oui. Voilà, ça va plus vite après pour la recherche. Ça va beaucoup plus vite. Ça exporte. Base militaire, t'en es où? Ça va. On gère bien. On gère bien. Je suis content. Et j'espère que vous aussi. Ok. Un petit truc de divertissement. C'est quoi ça? C'est une clinique. Clac, pub. Présidente, ne recherchez pas cette technologie, sinon vous risquez de découvrir le socialisme. Et tout le monde sait que c'est mal. Restons engoncés dans la chaleur douce et rassurante du capitalisme. Tous mes amis vous diront que c'est le seul modèle sain pour un gouvernement. Alors, maintenant, on arrive en fin d'épisode. Je vais faire un petit peu le bilan de la population. Au niveau divertissement, ils sont pas totalement satisfaits. Logement, il y a énormément de sans-abri. Il faut que je fasse quelque chose. Et la santé. Tiens, tu veux pas faire mieux, toi, au niveau santé? Service obstétrique. Ah, ça augmente la natalité. Je suis fou, moi. Ok. Oh, sauvegarde automatique. Eh ben, rendez-vous demain pour la suite, les amis. Demain ou dimanche ou lundi, pardon. Selon, je pense que ce sera lundi. Bisous à tous et à la prochaine.